Donc, euh, et voilà, donc on arrive sur la zone de travail. C'est ici qu'on va créer notre première ville sur, euh, sur, euh, sur Underground. Euh, le nom de cette ville, ce sera Utopia. Bonjour à tous et bienvenue sur Underground. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro... 35 5. 35 ouais. voilà c'est ça euh, Et on est avec euh, le petit Zatao euh, qui est juste ici et moi Voilà oh c'est lui <laughs> euh, Donc là il va probablement attaquer les champs Alors où est-ce que, est que nous nous trouvons Et eh bien nous sommes sur Utopia Alors, donc, Normalement vous avez eu un petit euh, précédemment Dans l'épisode précédent D'ailleurs je vais écrire ça Vous aurez écrit dans l'épisode précédent Et vous aurez euh, Ce que j'ai dit juste avant Enfin bref on arrive maintenant sur le terrain qui est bien terraformé euh, Depuis l'épisode dernier quand je vous l'ai montré Ça a bien bien changé Donc le terraformé est quasiment terminé Il nous reste encore un petit peu de boulot juste ici Mais oh, c'est pas grand chose en fait Il faut juste qu'on casse tout ça euh, Donc euh, voilà Mais ce qu'on a fait euh, On a fait tout ça déjà On a fait un moulin On a fait une fontaine On a fait une place Et on a fait euh, l'hôtel de ville Donc c'est plutôt pas mal hein, Ça a bien démarré Alors l'hôtel de ville on l'a fait en live euh, c'était euh, samedi soir, je crois. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était un live plutôt cool d'ailleurs. De euh, toute façon, vous aurez normalement la rediff euh, jeudi. Euh, et, et puis voilà, bon, c'était cool. Donc je vais vous montrer un petit peu. Oula, j'ai cassé une torche, j'aurais pas lu. Euh, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de l'extérieur quand même. Enfin, vous avez dû voir, vous avez dû apercevoir à quoi ça ressemblait. Donc. Un gros bâtiment, parce que bon, comme c'est l'hôtel de ville, c'est normal qu'il soit un peu imposant, le, le, le bordel, hein, c'est logique. Le bousin. Le bousin. Donc il rentre dans le mur en fait. Alors ici on a un léger trou, mais il va partir après. Il, il va pas rester. Oh, il y a un mouton qui est commencé dedans. <laughs> euh... Et puis voilà, donc c'est sur deux étages, on a un joli toit. Donc euh, ça nous a pris. Bah, j'ai fait un live de deux heures. En deux heures, j'ai fait quoi euh... Je la crois façade. que sur le, sur le live ouais j'ai dû faire la première façade. Il n'y avait même pas le toit je crois quand on a terminé le live. Ouais. Quand on a terminé le live, non, il n'y avait même pas le toit. Il y avait juste la première façade comme ça, là, le mur, euh, le mur principal. Euh, et j'ai terminé ça après. Euh, je sais pas, je tirais environ 4-5 heures de boulot pour faire ça. Bah c'est potable, hein, franchement, c'est plutôt rapide, je trouve. Euh, je pensais que j'en aurais pour plus longtemps que ça pour faire un truc comme ça, mais, euh, mais non, donc ça va. Donc voilà, on arrive à l'intérieur comme ça. Donc j'ai fait un petit chemin à l'extérieur, classique, hein, c'est comme à la base en fait. Hein, c'est euh, pour euh, diversifier un peu le chemin parce que si on met que de la cobble, c'est pas top top. Donc euh, voilà, donc ça, ça diversifie un peu le, le truc. Euh, donc cobble, andésite et euh, gravier, et puis on a aussi des rochers qui sont de la même composition. Donc, euh, Gravier, andésite et, euh, et Cobble ici là, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup sur celui-là. Euh, donc voilà, c'est pour donner un petit peu de nature dans le, dans le paysage en fait, hein, parce que sinon ça fait un peu cru, hein, vous voyez, en là voilà, c'est pas très très propre. En plus avec les, avec les changements de biome un peu chelou sur le serveur, ça fait pas super, super très propre quoi. Ici d'ailleurs, on a un problème ici sur la place. C'est pour ça que j'ai fait la place ici en fait, hein, c'est parce que je voulais couvrir en partie le... Le, cette tâche là, parce que la tâche, en fait, c'était un grand cercle qui allait jusque jusqu'ici à peu près, je crois. Donc euh, voilà. Normalement, d'ailleurs, si on fait F3, on doit passer d'un biome Mesa à un biome River. Voilà. On est dans un biome River ici, et dès qu'on va sortir, hop, Mesa. Voilà. Vous voyez Donc euh, voilà, c'est les problèmes de la map, on va dire. Hein. C'est la génération qui est comme ça. On peut pas faire grand chose. C'est pas spécialement gênant, je dirais. Donc ça passe. Alors on va passer à l'intérieur du bâtiment. Ah j'ai mis aussi quelques plantes sur les euh, sur les bords pour euh, donner un petit peu de un petit peu plus de de, de roleplay on va dire euh, un peu plus RP. Donc euh, ça rend plutôt propre. Hein, c'est plutôt pas mal. Euh, D'ailleurs on planquera sûrement les torches euh, à l'avenir. Mais euh, le problème c'est que la couleur de l'herbe dans un biome Mesa et bah, les, les carpettes ça correspond pas quoi. C'est pas propre. Donc euh, je sais pas comment on, comment on fera mais on essayera de modifier ça. Euh, donc un intérieur tout simple, d'ailleurs on a un coffre là-haut qui est ouvert, on va le fermer, voilà, euh, un intérieur tout simple, donc à l'intérieur en fait c'est tout plat, alors qu'à l'extérieur c'est très détaillé, il y a beaucoup de détails, c'est sur, euh, ouais, sur deux d'épaisseur, ouais c'est ça, c'est sur deux d'épaisseur, alors qu'à l'intérieur, voilà, on n'a pas, c'est vraiment plat, parce que comme ça quand on va aménager le bâtiment, ce sera plus, plus simple, donc euh, voilà, c'est... Ça rend plutôt bien j'ai fait les murs un petit peu au fond euh, c'est que des escaliers en fait donc j'aime bien j'aime bien le, la déco comme ça d'ailleurs je pense que je rajouterai peut-être des poutres euh, qui traverseront le, le plafond comme ça ça pourrait rendre pas mal je pense d'ailleurs est-ce que c'est en face ah ouais c'est bien ça c'est en face après là bas ah bah oui forcément ah bah non j'ai mis trois après donc ce sera plus en face bon c'est pas très c'est pas très grave et puis là un U. un j'ai mis un U parce que je me suis dit, tiens, on est à Utopia, c'est l'hôtel de ville, donc euh, la mairie. Donc ce serait bien que quand on arrive ici, voilà, je mettrais probablement une, un accueil ici. enfin une accueil Un accueil une accueil je, Tu, tu m'aides Un accueil, un accueil. Un, un accueil, accueil On dit un accueil, <laughs> okay. un accueil Donc on mettra euh, un accueil ici. Oui, mais on dit euh, ouais, accueillir. ouais Une ah, accueil chaleureuse. Pas, accueil. Une accueil cha ah non, c'est un accueil un chaleureux. Accueil ah non, ouais, non c'est moi, c'est moi, je suis un... Un baiser, c'est pas grave. <laughs> donc ici, on mettra un petit accueil avec euh, des, des, euh, un comme un bar là, comment dire, un, un îlot. Pouf, voilà. <laughs> ça fera l'angle comme ça et comme ça derrière, il y aura le U et ce sera plutôt, ce sera soigné. Puis ça, ça fait un peu des étagères, donc ça rend pas trop mal. C'est plutôt propre. Moi, j'apprécie le rendu, donc c'est pas mal. La porte va rester ouverte comme ça. Je mettrai pas de vraie porte. Ça va laisser, ça va rester ouvert. Donc euh, voilà, c est, c est, ça fait une petite arche. En, en gros, ça soutient un peu le, le haut du bâtiment. C'est euh, pas mal. On va monter à l'étage, même s'il n'y a pas grand chose. Hop, allez, allez, allez. Hop là, voilà. À l'étage, en fait, il y a juste le plancher. Euh, je modifierai probablement... Enfin, c'est sûr que je vais modifier les murs. Mais euh, par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est laisser cru la, la paroi comme ça là. Donc en fait, juste en bas, rajouter un peu de la clé pour euh, faire un peu genre que c'est naturel. Mais, euh, mais laisser tout ça cru. Je trouve que ça pourrait être pas trop mal. C'est intégré dans la montagne, donc euh, je me dis que ça peut le faire. Écoutez, on verra plus tard. Mais bon, voilà. On va passer sur le toit maintenant, parce que sur le toit, par contre, j'aimerais bien faire un jardin. Je pense que ça pourrait rendre bien un jardin sur le toit avec des arbres. Et du coup, les arbres, on les verrait d'en bas. Et ce... enfin, ça ferait... Parce que... Je trouve que ça fait un petit peu vide. Ça fait lé... un... Ouais, ça fait légèrement vide. Euh... Euh, sur le toit là vous allez voir enfin quand on est en bas en fait ça fait un peu euh... ouais c'est vite quoi il y, y a rien c'est euh... on a juste le toit qui se finit en haut euh, j'aime pas trop trop je trouve que ça fait euh... j'aimerais bien utiliser tout l'espace donc voilà ici mettre un petit jardin je pense que ça pourrait être pas mal Alors, par contre là j'ai fait une connerie c'est que j'ai pas mon épée Hop là. oh bah il est tombé direct très bien donc voilà le toit alors le bâtiment, il est un peu biscordu, si vous voyez, ça fait un peu un petit arc de cercle comme ça, euh, c'est volontaire, hein, c'est volontaire, et euh, c'était juste parce que, bah déjà j'ai épousé un peu les, les courbes, on va dire, de, oh punaise, j'ai cru que c'était un zombie ça Franchement, on dirait pas un zombie comme ça là, quand on arrive, on dirait un, un zombie géant, ah, ça fait bader euh... Et je disais quoi déjà Oui, donc on va faire un jardin. Euh, et puis, ouais, on a épousé un peu les courbes du, du terrain, en fait. Hein, c'est pour ça qu'il est un petit peu biscornu. Parce que ça faisait un peu... Bah, C'était un peu courbé. Ça faisait une espèce de petite colline. Donc, euh, j'ai un, euh, un peu traficoté pour que ça rentre bien. Et puis, au final, bah, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein, ça, ça, rend, ça rend plutôt bien. Donc, c'est propre. Avec la petite déco autour et tout. Euh, voilà. Après, on va compléter tout ça. Hein, on va faire une grande ville. Ce sera vraiment euh, bien propre. Ensuite... Euh, on a décoré un petit peu le tour. Alors, si on a mis une barrière d'arbres comme ça, c'est pour cacher un peu la, la face. Euh, c'est un cache-misère en fait. C'est un cache-misère. Donc, voilà, ici c'est dégueulasse, quoi, clairement. Il hein, n'y a, y a rien à voir. Donc, euh, je préfère qu'on le voit carrément pas, hein, clairement. Donc, du coup, on a caché tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, Donc c'est plutôt pas mal. Je mettrai peut-être des cailloux encore et un peu de buisson parce que ça me manque un petit peu de relief. Et là, Zato, il est en train d'attaquer le champ. Euh, D'ailleurs, il faudra modifier un peu. Euh, faudra peut-être virer tout le sable, hein Ouais, ouais, va ouais, ouais. le fond. Après. Ouais, 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 il faudra faire le fond. Euh, ouais, donc il est en train de faire le, une petite rivière autour. En fait, c'est pour mettre les champs. Après, euh, on va faire pousser du blé puisque on a le gros moulin qui est ici. Très beau style encore, de hein, toute façon, bah, il, a, il, a, il a fait, euh, il a suivi le pattern en fait, et puis euh, bah, d'ailleurs il a très bien géré. Hein, il a il su suivi exactement le pattern. Ah ouais, ouais, je le voyais, il zoomait avec Optifine, genre attends, alors après ce blog, <laughs> c'est ça. Donc euh, voilà, donc euh, il y a intérêt que oui, que ce soit bien foutu, parce que combien de fois il a, <laughs> fois il a vérifié Ouh euh, Et puis là-dedans, on mettra un moulin. Euh, non, comment ça s'appelle Un rouleau à grains un, Non, je sais pas. Ah, d'ailleurs plus, ça a un nom. Je me rappelle plus. Si vous savez comment ça s'appelle, vous savez l'espèce une grosse pierre comme ça. Et puis le moulin, Enfin, la force de, du vent, normalement, elle fait tourner une, une poutre. Une poutre, un peu. Et ouais. La poutre descend jusqu'ici et elle fait tourner une pierre en rond. Et euh, c'est ça qui, qui, qui ça qui moue le grain. Pour moudre. Pour moudre le grain, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, il faudrait qu'on fasse une, une grosse pierre euh, ici. Avec un peu, de, un peu de foin un peu partout, genre... Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un silo à grains aussi. Oui. Ce qui pourrait être euh, pas trop mal. On frappe pas loin, je pense. Par là, ça pourrait être bien. Oh, ce serait pas swag de foutre le silo à grains et, euh, et dans le silo à grains, il y a le, le portail du nether. Oh, si, si, ce serait, ce serait bien, non ouais. Ce serait pas mal. On arrive dans le silo à grains. Ouais. C'est pas... plutôt propre. Euh, donc voilà, donc le moulin qui est plutôt swag. Les hélices sont très bien, je trouve. Hein. C'est Zatao qui a fait le pattern. Tu l'as inventé celui-là hein Ouais. 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 Il l'a créé lui-même en, en en créatif et enfin euh, sur sa sur sa map test, quoi. Ouais. Et ouais. puis il l'a reproduit et ça et ça rend vachement bien. Ça rend vachement bien. Alors par contre ça manque peut-être d'un étage dans, dans le moulin, je pense. Ouais, mais de ouais, toute serait... façon c'est pas aménagé. Hein. Oui, non, y ouais c'est clair. Oui, il y a rien encore pour l'instant. De mais... toute façon on compte aménager. Après je pense pas, on laissera pas tout ça euh, tout vide. Hein. Ça va non. pas rester comme ça. Euh, voilà, donc le toit, pareil, hein, c'est pas. J'aime bien alterner les dalles. Franchement, l'alternance des dalles de bois et les dalles de, de stone, ça rend vachement bien. Ça fait une séparation au niveau du toit, et je trouve que, bah, je sais pas, c'est un peu le détail qui fait tout parce que regardez, quand on va loin, franchement, on voit super bien la démarcation, et, euh, et ça rend super bien quoi. Les deux bâtiments, ça se voit tellement que c'est le même pattern, c'est la même ville. On va faire... J'ai pas de bloc sur moi, j'aimerais bien faire une petite vue en hauteur pour qu'on aille voir... Oh putain, les Elytras, ce serait bien les Elytras. Donc ouais, ça rend plutôt bien. On est plutôt content de l'avancer, surtout qu'on n'a pas mis tant de temps que ça euh, à faire tout ça. Je crois que... Alors là, aujourd'hui, là, là, on est dimanche soir. Là. On est dimanche soir actuellement. Et on a commencé ça. Je crois que j'ai trouvé le biome vendredi. Après-midi, ouais, je crois que j'ai découvert le biome ouais, vendredi après-midi. Du coup, euh, j'ai montré à Zatao. Zatao était euh, OP, donc euh, du coup, on a commencé à terraformer ça samedi, je crois. C'est ça, ouais. Ah non, c'est pas hier qu'on a commencé à terraformer. Euh, non, non des, des on a commencé, soir, ouais, on a commencé vendredi après-midi un peu et, euh, et on a terminé. Et puis voilà, puis de vendredi après-midi jusqu'à maintenant dimanche soir, donc deux jours en deux jours, on a fait ça. On, est, on a enfin on trouve quand même qu'on a avancé plutôt vite je pense pas que ça avancera aussi vite dans le futur parce que là on était en vacances c'est pour ça que qu'on a mis aussi peu de temps hein, au final ouais euh, on a mis aussi peu de... ouais, c'est ça puisqu'on a, pu, euh, a pu vraiment roder le, roder le serveur et en plus on a fait un live dessus donc euh, ça passait crème hein. forcément on a bossé pendant deux heures non stop euh, dessus donc euh, c'était propre euh, voilà, donc deux jours, je trouve que c'est une avancée pas mal. Je pense qu'à l'avenir, ça va ralentir, puisque demain, on reprend le travail avec Zatao. Euh, donc, et ouais. euh, voilà. Donc, ouais, malheureusement, c'est la fin des vacances. C'est un peu chiant, mais voilà. C'est la vie. C'est la vie. Euh, donc, voilà. donc Je pense que ça va ralentir un petit peu, hein, de toute façon. Mais euh, on va pas rester... J'hésite, en fait. J'hésite à, à blinder, faire que la ville pendant euh, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Enfin... En fait, j'ai peur que ça prenne trop de temps parce que si on arrive à l'épisode 50 et qu'on n'a toujours pas fini la ville, j'aurai les boules. Alors que si ça nous prend, je sais pas moi, trois semaines, si ça nous prend trois semaines, c'est faisable, honnêtement. C'est faisable. Faire 5 six épisodes dessus, ça... je pense pas que ce serait, euh, ce serait gênant. Mais euh, vu qu'on va ralentir la cadence, on verra bien à partir de demain. Je pense que le prochain épisode, on va encore bosser dessus. Et puis euh, l'épisode suivant, bah, on verra ce que ça donne dans l'épisode prochain. Et puis dans l'épisode prochain, si on a beaucoup avancé, bah, on continuera sur la lignée. Et puis, euh, et puis voilà. Et si, si à l'inverse, on n'a pas avancé des masses, et bah on arrêtera là et on retournera à la base et on reviendra plus tard pour, pour continuer. Comme ça, on va alterner un petit peu les deux projets. Euh, voilà, donc on a bien discuté quand même. Donc on arrive maintenant sur la place qui est ici. Donc beaucoup de pistons. On avait récolté pas mal de fer et en fait, bah, tout est parti. Hein. On a tout niqué. On avait combien de blocs 45 euh, 49. 49 blocs de fer. Et il reste combien de blocs de fer <laughs> Je crois qu'il en reste euh, 3. Bon. <laughs> Donc, euh, voilà, en les ensemble, pistons, ça. On, ça coûte cher. Mais euh, on est franchement content du résultat. À la fin, je ferai une vue de du haut. Vous allez, franchement, d'en haut, ça, ça rend tellement bien. C'est vraiment propre. Et on a mis un beacon en dessous. Alors, j'ai décoré un petit peu. Hop, on va aller. Allez, hop voilà tac donc on arrive ici tac c'est un petit peu décoré euh, voilà je voulais pas laisser ça tout, tout à poil en fait je je sais pas j'avais pas envie de le laisser à poil donc euh, du coup voilà on a le beacon qui est là et on a rien mis dedans pour l'instant ok <laughs> si on a mis euh, regen ah oui effectivement ouais mais il me l'affiche pas bon c'est pas grave ah. donc voilà on monte on remonte hop on ferme la trappe voilà c'est plutôt discret la trappe hein, franchement parce que du coup ça se fond un peu avec le piston les pistons qui sont, bah, ça fait plein de taches marron comme ça et du coup la trappe on la voit presque pas au final. Et euh, moi je pensais qu'on la verrait plus que ça et en fait euh, pas tant. Donc avec la petite fontaine qui est juste ici, euh, fontaine que euh, j'ai fait en one shot. <laughs> je me suis dit vas-y allez on fait une fontaine et puis euh, c'est parti. On avait déjà prévu de faire une fontaine. Il y a le fond que j'ai mis en gravier c'est fait exprès c'est pour euh, donner un peu plus de relief, euh, pour changer un peu de bloc quoi que ça reste pas. Euh que ça reste pas comme ça, euh, comment dire, uni. Voilà, je voulais pas que ça reste uni. Donc voilà, donc ici c'est plutôt propre. le Beacon, il va rester là. Maintenant, c'était mon beacon portable, malheureusement. Donc du coup, ouais mais le, là j'ai posé mes blocs aussi en dessous. Ah oui, c'est vrai. Ah, le beacon, c'est pour ça. C'était mon beacon complet. J'avais un beacon complet et celui-là, en fait, je le baladais un peu partout. C'est celui qui était au niveau de, de mon jardin quand on, a, quand on a terraformé un petit peu. Il était dans mon jardin, on l'a cassé puis on l'a ramené ici parce qu'on en avait besoin pour le terraforming hein, quand même. Le haste 2, ça fait quand même plaisir. Hop, excusez-moi, petite ellipse. On se retrouve. Hein, donc du coup, euh, j'ai tué une vache. Oh, j'ai tué une vache. En fait, je sais pas. J'ai vu le, je l'ai vu et j'ai eu le réflexe de prendre mon arc et de bander mon arc. <laughs> oh yeah. <Et> euh, <laughs> et puis j'ai tiré et puis elle est morte et en plus de ça, oh, c'est qui nems Je crois que c'est Nemes. Euh, je pense pas. Hein. Si. Bah nems euh, si. Non, c'est pas c'est pas ça son pseudo Nemes. Si si, je crois bien que c'est ça. Hein un mec qu'on a jamais vu genre. Euh, ouais, hum. je sais pas si c'est ça son pseudo. Je pense pas que ce soit Nemes, euh, le, le, le poteau à hyper. Je... Bah tiens, salut. Ouais, Allez hop. Tiens, voilà, euh, alors prêt. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais Moi, ouais, on avait la fontaine. Ah oui, et il y a des fondations autour. Alors, vous devez vous demander ce que c'est. Tout simplement, euh, c'est des... Alors, on sait pas trop. Normalement, en fait, on veut faire des stands autour pour que ce soit un peu une place marchande. Et dedans, on voudrait faire un peu de commerce. Alors, euh, des échanges. En échange du fer, on vous donne ça. Et en échange du, du fer encore, on vous donne ça. Parce que nous, on va tout vendre en fer, hein, clairement. On a trop besoin de fer, ouais. donc on va vendre tout en fer. C'est tout ce dont on a besoin. Voilà, ça, juste le, le, le reste, on est illimité. Mais ce voilà. qui nous manque, c'est le fer. Donc euh, voilà, on va tout vendre en fer et puis c'est tout, ce sera comme ça. Euh, donc du coup, non, je pense pas qu'on va tout vendre en fer quand même. On fera d'autres échanges <laughs> et tout ça. Euh, voilà. on pas non plus... Après, euh, par contre, quand on va faire du commerce de bouquin mending, ça va changer. Ça va être cher ah, ouais, ça déjà. Ça, ça, <rire> déjà. <rire> ça va être cher. cher. Je vais aller faire une razzia dans laine quand il va sortir la 1.9, euh, ça va être euh, violent. Et donc du coup voilà, c'est des fondations de des, des, des petites des petits points de commerce qu'on qu va mettre autour. Ensuite, euh, on aura probablement une église que on fera, ce sera le prochain gros bâtiment à faire en fait hein, je pense. Clairement. L'église Ouais. Oui, oui, oui. ouais, ouais l'église, je pense que c'est pas mal. Euh, un restaurant on f... aussi on voudrait faire. Un resto, ouais, ce serait pas mal, un petit hôtel aussi. Tous, les, tous cool. les stands aussi qui autour de la place. Oui oui ouais, c'est ce que j'ai dit qu'il y avait déjà les fondations des stands. Donc ouais, on a un bon petit projet en tête et euh, franchement j'ai vraiment la motivation pour le réaliser celui-là, là, là on, est, on est vraiment bien parti, on a été extrêmement vite, je suis impressionné d'ailleurs, ah c'est très le chien qui aboie, ouais, désolé, désolé, sorry, c'est mon dalmatien. Voilà, bah sur ce, écoutez, je vais vous laisser tout simplement, hein. j'espère que vous avez apprécié cette vidéo one shot malheureusement euh, parce que bah, j'ai voulu recorder l'épisode en plusieurs morceaux sauf que quand j'ai regardé les morceaux et que j'ai voulu faire mon montage le son était complètement pourri je crois qu'il a pris le son de ma webcam puisque du coup, euh, maintenant quand je fais les lives je me mets en facecam et là et bah, voilà, j'avais pas débranché la, la, la webcam et du coup le son était naze mais naze de chez naze, méga naze. voilà donc du coup j'ai été obligé de recommencer toute la vidéo donc c'est à one shot hein. donc voilà bah, en même temps ça a permis du coup de faire le moulin etc puisque euh, puisqu'à la base je voulais juste montrer l'hôtel de ville mais voilà comme ça vous avez plus de choses à voir et bien sur ce euh, je vais vous dire euh, bonne soirée si la vidéo cette euh, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires euh, j'essaierai de vous répondre au mieux euh, selon euh, mes capacités de réponse hein, on va dire ça comme ça et sur ce je vous dis à la prochaine